Vous l'auriez fait, vous aviez pas eu un ami à un don. Puis là, il vous a ordonné, il vous a retapé le moral, vous avez reparti votre route, vous marchez encore. Mais merci Seigneur. Cet été, j'ai vécu une expérience. C'est dans les années que vous allez rire, mais c'est rien, je vous la raconte. Qu'est-ce que je vais faire? Vous connaissez un petit peu notre vie au presbytère? Je suis pas mal tout seul, tu sais. Sauf que j'ai Simba. C'est ça, Simba! Ben, c'est notre Minou, imaginez-vous. Ben, je vous parle de mon Minou. Ça s'appelle Minou, ça s'appelle Sim pour les intimes. Sim. Ben, quand je suis revenu de vacances, j'ai regardé Sim, j'ai dit Sim, tu vas mourir. Ah, pas de bon sens. Il était rendu maigre comme un pinceau. Ah, mon Dieu, il va le faire pour ça, voilà. J'ai dit, ouais, pour ça dure, Sim. Il trouve ça dur. Savais-tu qu'en plus que le pauvre Sim, il avait perdu son maître? Et puis, là, du coup, que moi, je pars en vacances, la cuisinière en fait pareil, il s'est ramassé avec des étrangers dans le presbytère, il voulait mourir. Ouais, j'ai dit, tu vas mourir, ça n'a pas de bon sens. Pourtant, il mangeait comme un loup. Pas de la cochonnerie, il était du poulet. Bon, il y a un peu son maître de bord. Bon, alors, j'ai dit, il y en a un qui est venu, madame, même qui était venue au bureau, elle regarde le chat, elle dit, ce chat-là s'ennuie à mort. Elle connaissait rien de l'histoire. Ah ben. Là, j'ai dit, Sim, ça va te prendre de l'amour, hein? Là, j'ai sorti la petite broche de la petite grâce, puis là, je vais grâce 5 minutes par jour. Ben, il a commencé à engraisser. Ben, je me suis dit, si Sim, je parle toujours de mon chat, il n'est pas été capable de se passer de son maître, mais que dites-vous d'un baptisé enfant de Dieu qui essaiera de se passer de son père? Rejoins-le. OK pour faire quelques journées de prêt, pour marcher quelques jours, mais c'est pas bien quelques jours que tu dois marcher. La journée va être longue et la marche n'en finira plus. Il faut que tu te rendes au bout de ta vie. Tu n'as pas le droit de dire « j'en ai assez, je veux-tu ?» Quelle lâcheté ! Il faut dire « Père, c'est toi qui as tracé la route. » Vous remarquez qu'il ne vous tord pas le droit pour l'embarquer. Si tu décides de débarquer, tu laisses respect. Mais il a dit « Oui, mon ami, je t'ai tracé une route. » Tu sais pas quand est-ce qu'elle va finir, toi ? Ah oui, je suis peut-être une boîte d'année. Oui, c'est pas toi qui décide que c'est fini, c'est lui. Alors, mes amis, si vous savez ça, ça va prendre tout un pain pour vous donner l'énergie d'y aller jusqu'au bout. On pense pas à ça. Je me demande comment ils peuvent vivre ceux qui n'ont pas la confiance dans le pays pour avancer. Imagine-toi que tu n'as pas confiance à ton médecin, ben il ne peut pas te guérir, lâche-les, prends un autre, ta presse. Vous savez? Tu n'as pas confiance à tes remèdes, lâche-la, comment est-ce que tu finiras la bouteille, tu guériras pas. Tu n'as pas la confiance, lâche ça. Tu n'as plus de confiance dans rien, ni dans toi, ni dans lui. C'est fini. Et qui va te la redonner la confiance? Mais quand je suis petit, puis que j'avais toutes les poils de mouvement. Quand tu es petit, c'est mon grand avec là-dessus. Et tes grands jacques, quand tu sont mort tout le monde, on a des problèmes. Mon grand répond les problèmes, mes amis sont trop gros pour moi. Elle est débrouillée. Alors, elle n'est pas le bon Dieu. Vous ne trouverez pas personne pour vous résoudre vos problèmes de vie. Ne rien que. Le maître nous a créés, et si on lâche, alors vous avez plus de faim, plus de pain, vous allez vouloir finir plus vite que c'est pris. Thank you.
vient sur nous pour répandre la bonne nouvelle. Ainsi, il envoyait ses apôtres, ses disciples, aller par le monde entier. Je crois que c'est un petit peu aussi la vocation des cloches, de nous rappeler que nous ne sommes pas faits pour rester assis à attendre la fin du monde, mais que nous sommes des ouvriers et que nous avons à bâtir un monde nouveau, un monde plus humain, plus fraternel. Et je trouve excellente cette idée que les cloches, nos cloches, au nombre de 5, chaque fois qu'elles résonneront, qu'elles font entendre leur beau son, leur mélodie, tu entendras dans ton cœur l'appel de Jésus. Va, va annoncer la bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui, avec humour, regardant les belles cloches, disait, elles sont comme nous. Il y en a des grosses et des petites. Mais c'est vrai. C'est nous. Alors qu'on soit petit, qu'on soit gros, on a tous une mission à remplir. Mais aussi, j'aime bien l'idée que la cloche est un appel de Dieu qui doit résonner dans nos cœurs. Mais je m'inquiétais, je disais, on rit tout un peu, et puis on est sourd parfois. Est-ce que j'ai demandé à la compagnie, au monsieur, les ouvriers qui ont installé les cloches, est-ce que vos cloches vont être assez fortes? Ne craignez pas, mon père. Vous en avez une grosse qui va vous réveiller. Mais c'est ce qu'il nous faut. On est souvent des endormis. On pense que mon Dieu ne nous appelle pas. On pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais Dieu nous appelle. Et j'aime bien que la cloche retentisse dans mon cœur pour dire, rassemblez-vous, c'est l'heure de l'Eucharistie, c'est l'heure de l'écoute de la parole de Dieu, c'est l'heure de la communion fraternelle, c'est l'heure du repas familial. Et j'adore cette idée que la cloche nous convoquera à chaque semaine à nos rendez-vous dominicales. Sans quoi, une communauté ne peut pas vivre comme une famille. Il faut tellement se parler, il faut tellement se rencontrer pour souder l'amitié avec Dieu et entre nous. J'y vois une très belle vocation de ces cloches. Il faut bien se le dire aussi, Canadien français, les cloches, ça fait partie de notre vie. On a été élevés avec ça. Moi, j'ai parti travailler avec les cloches. Je suis revenu manger avec les cloches, et nous après, on retournait travailler au son des cloches. Avec l'Angélus et tout. Oui, la cloche fait partie de la vie des catholiques. Les messagers et les témoins par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et j'aimerais maintenant demander à notre collègue, on vous invite maintenant à la salle colombienne pour un toast, un digestif, un apéro. Bienvenue. J'avais un seul ami et on me l'a tué. Il était plus que lui, il était un peu moi. Je crois qu'en le tuant, on m'a aussi tué. Et je pleure la nuit, mais on ne le sait pas.
C'était mon copain, c'était mon ami, pauvre vieux copain de mon humble pays. Je revois son visage au regard généreux, nous avions le même âge et nous étions heureux. Ami, mon pauvre ami, reverrai-je jamais ton sourire gentil parmi l'immensité. C'était mon copain, c'était mon ami, j'écoute la balade de la mort de la vie. Le vent de la frontière veut consoler mes pleurs, mais l'eau de la rivière a d'étranges couleurs. Cependant dans les bois, un mystérieux concert m'a dit qu'il faut garder l'espoir à tout jamais. Car ceux qui ont bâti ensemble un univers se retrouveront tous, puisqu'ils l'ont mérité. Oh mon vieux camarade, mon copain, mon ami, parmi les terres froides, je te parle la nuit. Et ton pesant silence est un mal si cruel que j'entends ta présence parfois au fond du ciel. Merci d'être là. Lâchez pas, je lâcherai pas.